La tâche sera relativement simple à réaliser. Donc, pour ce faire, on va utiliser notre cylindre. De ce fait, on va faire un Shift A pour importer ici un nouveau cylindre. Pour les configurations, on laisse les configurations de base, c'est-à-dire que le nombre de vertices on laisse à 16 et c'est tout. On fait un Tab pour aller en Edit Mode et on commence déjà par déplacer notre cylindre sur l'axe des Z. On fait un Ctrl Tab pour aller en mode de sélection de vertices et on part en wireframe. Alors déjà là, ici en bas, on va faire un S pour un scale général. Et ici au milieu, on va faire un Ctrl R pour ajouter une Edge Loop pour déformer la formule comme ça. Super. Nous allons extruder la partie du bas ici avec un E et on va scaler comme ça. Nous allons encore extruder avec un E, on scale et on déplace un peu en bas. Nous allons également scaler ici, on fait un Ctrl R et on scale. Pour la partie supérieure, déjà on peut faire un Ctrl E pour faire glisser les vertices avec un Head Slide, comme ça. Et la partie du dessus ici, on peut la ramener vers le bas et la scaler. On va supprimer la face du dessus avec un X, ensuite Delete Faces. Et la partie inférieure ici, on peut déjà faire un Alt clic droit et faire un Inset. Encore un Inset. La forme générale de notre tasse est plutôt bonne. On va ajouter ici le modifier Solidify pour avoir une bonne épaisseur. Comme ceci. On va appliquer. Vous voyez que là, ce n'est pas forcément plat ici en haut. Du coup, en Edit Mode, on va aplatir celui-là en faisant un Box Select ici en haut et en faisant SZ de 0. Valide. À présent, nous allons ajouter la subdivision de surface pour rendre celui-là beaucoup plus lisse. On va mettre le Level Viewport à 2. On fait un Shade Smooth pour lisser et on repart en Edit Mode. En Edit Mode ici, on va ajouter des edges de maintien avec des Ctrl R comme ça. Et ici, un autre Ctrl R. On va également faire un Ctrl R ici au milieu. Super. Vous voyez que là déjà la forme générale de notre tasse est plutôt bonne. Maintenant, nous avons fait ici la partie pour arrêter notre tasse. Pour faire ça, rien n'est plus simple que d'utiliser un torus. Du coup, on va faire un Shift A parce que le torus est une primitive assez particulière qui ressemble un tout petit peu à un donut. Du coup, dans les mèches ici, on va prendre le torus. Les configurations de base, on n'y touche pas. Et on fait un Tab pour aller en Edit Mode. On va faire un déplacement sur l'axe des X. Et on va faire un RX de 90 degrés pour faire une rotation comme ça sur l'axe des X. Ok ? On fait un Scale de manière générale et on fait un G pour positionner ça ici. On va un tout petit peu augmenter l'épaisseur de notre torus, raison pour laquelle on va sélectionner l'ensemble des vertices comme ça et on va faire un Alt S pour augmenter son épaisseur. On va faire un G pour positionner correctement notre torus et on va aller sur les autres vues afin de voir un peu à quoi ça ressemble. On va encore faire un Alt S pour augmenter son épaisseur. Et on va placer cela un tout petit peu en haut. Comme ça. Vue de face. Ok, c'est plutôt bon. Maintenant, on va supprimer une partie des vertices de cette partie ici. Raison pour laquelle on la sélectionne. On part en Edit Mode. Z pour le wireframe. Et là, on va faire un C pour sélectionner les vertices que l'on veut supprimer. On va supprimer la partie ici. Jusqu'à la partie ici. Du coup, une fois que les vertices sont sélectionnés, on fait un X, ensuite Delete Vertices. On va faire un slash pour placer notre objet au premier plan et on va refermer la face ici
Avec un Alt du clic droit, on fait un Ctrl F, ensuite Grid Fill. On referme à la face en créant en liant les différents vertices. On va faire de même ici en bas, Alt du clic droit, Ctrl F, ensuite Grid Fill. On fait de nouveau un slash pour faire revenir les éléments de notre scène. Et on va faire une petite rotation comme ça. Et un déplacement sur l'axe des X. Super. On va ajouter le modifier subdivision de surface pour lisser tout cela. Et on va mettre le level viewport ici à 2. On va faire un sheet smooth pour lisser. Et au niveau des bordures ici, avant de terminer, on va juste adoucir un peu celui-là. Ici, on va faire un Alt de clic droit, Ctrl E, Head Slide. On va faire également de même ici, Alt de clic droit, Ctrl E, Head Slide. Comme ça, là maintenant, c'est moins pointu ici en haut. On peut également faire ici, Alt de clic droit, Ctrl E, Head Slide. Ainsi, on vient de réaliser notre tasse. C'était tout pour cette première vidéo consacrée à la modélisation des peaux de notre scène.